Bien tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, dans lequel nous jouons Corinthe. Alors on avait quelques soucis avec les Perses qui reviennent qui reviennent en force en Grèce, hein. Et qui piquent un peu. Ils nous posent honnêtement pas mal de problèmes. Allez, direction Andros, il faut absolument la protéger. Donc j'ai comme projet là, j'ai des flottes qui sont en train de se créer, mais ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. J'ai également des troupes à pied donc qui vont arriver à de l'autre côté de la mer, donc pour tout simplement envahir, on va dire, les Perses, mais ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Ceci dit, faut pas oublier qu'on a besoin de se développer. Voilà, on a besoin de nourriture et tout ce qui va avec. Donc pas le temps de niaiser, comme on dit. Là on est pas mal, là on est pas mal. On va voir ce que ça donne le tour d'après. Ah oui, c'est vrai qu'apparemment elle est rang 10. Bien joué elle. Ah ouais, bien joué elle. Hop, voilà. Elle va réduire les coûts de d'entretien des armées. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, c'est parfait. C'est quoi ça? Ah, c'est un flotte de gars. Ah, bah c'est parfait. Il vient m'aider. Comme ça, on peut dire adieu aux Grecs. Je pense. C'est bon, tu coules? Merci. J'y croyais plus. Ah, les Perses. Ah, si, d'accord. Ta Perse, c'est Empire Perse. Ah. Bon, résolution automatique, ça passe tout seul grâce à mes navires. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Une flotte de vent en moins. Tu vois, c'est ça, là, t'as l'Empire Perse. Et t'as les Perses en fait, attendez. Empire Perse. Et pas du tout, j'ai fumé. Où j'ai fumé là, c'est compliqué. Hein. Disons, ça devait être fort. Hein, parce que là, bon. Ouais, ils se retrouvent perdus, c'est bien. Voilà, on va augmenter. Non, maintenant on va pouvoir recruter voilà, des unités terrestres. Je pense que ça va être le mieux à faire actuellement. Voilà, cette flotte elle se fabrique tranquillement. Hop, qu'est-ce que je vois là? Encore l'Empire Perse. On va les embêter. Et qu'est-ce que je vois là? Mon armée cette fois. Voilà, on va recruter deux unités, enfin une unité de hoplite là. On va la rapprocher d'ailleurs de la frontière. Et on va aller à Pergame. Pergamon, Pergamon. Oh la vache, ça fait loin. Ce sera peut-être par là le chemin, je sais pas. Pas une route là, genre juste à côté du fleuve? Non? Pas du tout. En tout cas, c'est très boisé, dit. Au moins c'était. Hop! Ouais, le vent d'Atlantide qui a pris son up du coup, hein, ça c'est bien. Enfin mon amiral, je veux dire. Voilà, et on est prêt, on attend l'Empire Perse de pied ferme. Voilà, les chances de sécession sont hautes à chaque tour. Il va falloir que je fasse quelque chose. Wow, là 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 là, oh là là là, oh. Tu te calmes l'ami, tu te calmes. Ah les gars, ça va tranquille là, les disciples d'Arès là, pourquoi ils sont pas contents là? Dirigeant mort au combat, bah c'est pas de ma faute si c'est un PNQ. Non, mais... Oh les gars, abusez pas. Hein. C'est bien, ils ont des pertes. Ils ont pas mal de pertes bêtement.
D'ailleurs, j'avais pas une flotte ici dans le coin. Ah oui, mais c'était eux. Hop, on va se rapprocher tout doucement, patrouille, voilà, on n'est pas pressé. Hop, et Empire Perse, les enfants de Xerxès ont les goums. Comme ils disent dans le jargon, là. Voilà. Il n'y en a plus. Leurs immortels et tout le bazar, on n'en parle plus. Enfin, on en parlera, mais plus maintenant. Au moins pendant un tour. Hop, négociant de vin. C'est pas mal en vrai. Hop, de la nourriture à foison. Ouh. Et il va falloir qu'on refasse des alliances militaires. Hein. Avec tout ça, j'en avais oublié les alliances militaires. Oh bah non. Mare Nostrum. Oh. Remporter au moins 25 batailles navales dans une seule campagne. Yes. J'ai réussi à la faire celle-là. Ça me fera au moins ça de prix. Ah, je suis content. Allez, maintenant en direction Pergame. Ça va prendre quelques tours. 1, 2, 3, 3, 4 tours. La Ligue étolienne, est-ce que... Ils sont pas chauds. Et si je leur fais un petit paiement? Un moyen paiement? Bah non. Un gros paiement? Ah. C'est pas cool ça. On va aller faire le siège là, le blocus là de Smyrna. Oh! Ça a pas mal augmenté les revenus, ça. Honnêtement, ça va faire du bien aux revenus. Hein. Alliance militaire. Tout à fait. Attends, il s'est fait bouffer? Non, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû loucher. Hop. Ah putain, j'espère que j'ai pas de perte si je me déplace là. Non, ça a l'air bon. Tac, lui, entraînement, voilà, comme ça seront un peu meilleurs. Au combat. Voilà, et là, il y a quoi ici? Ah oui, non mais. Ah les gars, respectez-vous ou quoi? On va rester sur les côtes. Hein. Là, l'hiver, c'est plus prudent. Du coup, Athènes, elle est tombée, on est d'accord. Plus d'Athènes. Il n'y a plus d'Athènes. Là, on est bien en alliance, c'est parfait. Là, c'est bon, là, c'est bon. Me va. Ça me va d'autant plus. Que Crète, pourquoi j'ai pas la Crète? Ah, Gortina, allez, allez. J'ai en guerre que contre les Perses, toi aussi. Ah non, oh la chance. Ah, bah si, ah, c'est eux. Parfait, il me manquait juste eux ici. Et voyons voir, que me manque-t-il d'autre? Ah ouais. Il manque ça. Que la bénédiction des Olympiens soit avec nous. Que pouvons-nous
sûr, même si je te donne plein d'argent, tu... Ouf. On va essayer de jouer. On va essayer de jouer. Ah, il est malin. Ah, il est malin. Je pensais que ça passerait. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Il va se faire fumer. Voilà, mon but là, c'est qu'il se fasse fumer. Et je récupère sa ville tranquillement. Voilà. N'avait pas d'autre but. Là, c'est juste, il se fait fumer par l'Empire perse. Ça abaisse, ça affaiblit mon ennemi, ça permettra à ce qu'il se fasse bouffer du terrain. Là, c'est bénef de partout. Waouh, le fer d'acier là, doucement quand même. Ok. Oh, c'est bien ça. On avance, on avance. Putain, il y a un nombre d'unités, le Perse, là, c'est absolument mais flippant, quoi. Non, là, en plus, il est en guerre contre un ennemi commun, là, on va tous être copains, non? Il va absolument pas être copain. Petite question, juste, est-ce que toi, t'es bien... Non, mais d'accord, ouais, non, mais la moitié qui sont pas en guerre contre le Perse. Non mais tu m'étonnes. Allez, je te paye un coup là. Ah putain, ils sont tous réticents. Ah non, c'est pas un paiement que je vous exige. Je veux pas d'armes. Ça y est. Oui, bah oui. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Lui, il y est en plus. Ah, c'est ça le pire. On va voir, on va économiser un autre tour, on va voir ce que ça donne. Voilà, là c'est juste de la diplomatie pour gagner, quoi. Il manque une ville. J'ai pas envie de la prendre par la force parce que. Si je lui déclare la guerre, il y a des risques que Rhodes il le suive. Ou alors il soit plus allié avec moi. Même si c'est mon état client, donc en théorie il n'y a pas de souci. Oula. Bon, on va chasser. Hein. Ouais. On va essayer de la jouer diplomate. Oui, exactement, exactement. Ah ouais, Athéna elle-même. Ah. Voilà. Comme ça devrait augmenter un peu les. Ouf. Oula. Ouais, ils s'entendent vraiment pas bien. Hein. Même eux là, bon, ça devrait être mieux. Ils sont en guerre contre un ennemi commun, le Perse, mais. Mais quand même. Ah! Allez, casse-toi! Ah c'est cool, je peux même pas bouger les gars. C'est pas mal ça. Ah c'est... On est bien, on est bien. Ils m'ont défoncé mon général quand même. Putain, le pourcentage de succès, il est... Ah, il est violent. Voilà, regardez le nombre d'armées qui peut monter quoi. Qui peut lever en espace de rien. Impressionnant. T'imagines, toi, tu te bats contre ça, là? Ah, t'es dans la... Tu te prends un petit coup de flip, là, hein? Ça. Bah, moi, oui. Parfait. Oh, oui. Alors, ouais, oui, je dis oui, je dis oui. Hop là, regardez-moi toutes ces victimes. 4 400 de pertes. Et on les tue, bien évidemment. Non, relâche pas. Là, je me fais pote, mais alors, manière magnifique avec tout le monde. Voilà.
Envoie-moi autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis preneur. Fais-toi plaisir. Non, par contre, les agents, arrête de te faire plaisir. C'est chiant. Voilà, ça y est, ça y est. Ouais, ça y est, mais ça y est pas trop non plus. Hein. Attends, je commence avec la moitié de déplacement. Hein. Ça va, les gars. Tu t'embêtes, tu me dis si je t'embête. Hein. Hop, ah j'avais des espions, mince. Allez, on va envoyer un Sard. On va envoyer l'autre à Kibira. Alors. Ah, on va. Le fait que je t'ai tapé dessus, est-ce qu'il est encore plus mon ami lui? On sait jamais. T'as un action militaire contre Perse 80, les gars. Il veut pas. Hein. Bon bah la flotte que je suis en train de lever là, ici, je vais y mettre mon armée avec et je l'enverrai à travers mer. Hein. J'ai pas le choix. Hein. J'aurais essayé, hein, les gars. Là, Ah, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, c'est compliqué quoi. Tiens, d'ailleurs, eux là, je vais l'envoyer là. Ça fera un peu plus de troupes au cas où ils veulent réattaquer. Il va retenter une attaque de toute façon. C'est très probable. Ah, bon, il va aussi. Ah, ça fut rapide. Engager les gardes du corps. Ouais. Oh, traité de paix, paix négociée. Ça c'est très bien les gars, ça c'est un bon 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 hein. Un bon gros point. Oh yes. Oh les gars, je donne tout. Je vends littéralement mon cul. Yes. Maintenez au total. Ah oh, mais non. On peut y arriver. Voilà, on recrute des IPIs. Et là, là on est bien. Allez, juste au cas où. Mes éclairs de Zeus. Voilà. Et on termine ce tour. Allez, allez, pas de conneries les gars, pas de conneries. Ils ont la peste? Ah merde, je crois que c'est des pestiférés. Oui, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, il y a une armée qui m'arrive dessus. Non, même pas. Ouf. Oh. Excuse-moi. Suivant. Ça a marché. Même pas. Il réessaie, il réessaie. Résolution. Mode agressif, de toute façon. Oh, pied 10 100. Ok. J'aurais gagné, mais quand même 10 100. Eh bah, cœur et âme. Non, cœur et âme. Cœur et âme. Ah oui, d'accord. Allez-y, fier hoplite. Pourquoi il y a des Romains en face? C'est bizarre. Il y a plus de camp des Romains. Mais j'ai pas vu de Romains là-dedans. J'ai pas vu de Romains dans la campagne. Vous me dites si je me trompe, hein. Mais j'ai pas vu de Romains. C'est une victoire! Ah, c'est une belle victoire. Et en plus, double succès. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Donc j'espère que cette campagne vous aura plu. Comme a dit dans les commentaires Ville Coyote, il connaissait pas ce DLC.
Donc, je vais voir s'il me reste des succès à valider sur un DLC que vous connaisseriez peut-être pas. Ou même juste pour le fun, faire un DLC pas trop connu. Là, pour la période Noël, Nouvel An. Je sais pas quel jour sortira cette vidéo. Attendez, je vais regarder. On devrait être, si je me trompe pas, aux alentours du 23-24. Si c'est le 20, si ça tombe le 24, le jour de Noël, la finir, c'est parfait. On verra. Mais voilà, du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Tiob. Ciao!